Les jours passent et la météo ne s'améliore pas vraiment sur l'Auvergne. Besse Saint-Anastèse et sa pierre de Besse, une trachée andésite sombre, sont plus obscurs que jamais derrière un front nuageux oppressant. Au moment de notre départ, les échoppes et les boutiques d'artistes sont encore fermées et les rues sont presque désertes, nous privant d'une découverte plus approfondie de la cité médiévale bessarde. Nous ne regarderons que de loin l'église Saint-André au style roman et gothique, puis la tour du Beffroi, sous laquelle nous passerons pour quitter Besse et rejoindre, après une petite heure de marche, un autre site célèbre, le lac Pavin. Ce lac de cratère bien connu a une forme circulaire quasi parfaite, large de 700 à 800 mètres. Son éruption a été tellement violente qu'on en a retrouvé les traces jusque dans les sédiments du lac Léman. Le fameux lac Pavin qui avait été exploré par l'équipe du commandant Cousteau et dont la profondeur a aujourd'hui été établie à 93 mètres. Dommage encore une fois que le temps ne nous permette pas d'en tirer de belles images. D'ailleurs, le temps, puisqu'on parle de lui, il se corse et on doit se résoudre à passer les vestes de pluie pour marcher vers le lac de Montcinère. Un peu avant lui, une rencontre avec une zone humide envoie d'eutrophisation. Le phénomène de fermeture ne concerne que certains lacs. C'est un processus naturel qui conduira à terme à la formation d'une tourbière. De son côté, le lac de Montcinère, intégralement protégé, est exploité comme réserve d'eau potable par le syndicat intercommunal à vocation multiple d'Issoire. Aujourd'hui, ses eaux semblent aussi sombres que celles du lac Pavin. Nous reprenons notre marche sous le couvert d'une épaisse forêt. Ici, les GR semblent avoir été désaffectées depuis longtemps. Le soleil ne daignera pointer son nez que quelques minutes avant d'atteindre le petit village de Compins, où nous pourrons enfin goûter au plaisir de la sieste, le temps d'une pause casse-croûte sous les murs de l'église. À la sortie de Compins, changement de décor. Nous faisons notre entrée sur les hauts plateaux du Césalier. Les premiers burons apparaissent dans l'immensité des estives balayées par le vent. Le Césalier, c'est le pays des vaches. Des aubraques et des salaires essentiellement, qui supportent parfaitement les conditions parfois redoutables de ces hautes terres où elles devront passer plusieurs mois. Quel bonheur que de retrouver ce Césalier dans lequel je n'étais pas venu depuis 2007 quand même. Et c'est toujours aussi splendide. Pouf, j'adore. Le Césalier, j'y étais en effet venu à vélo avec mon ami Julien Leblay. On y avait mené une mission de sensibilisation à l'abandon des déchets dans la nature à destination des écoliers et des collégiens. Ce projet avait été filmé et avait donné lieu à un livre intitulé « Planète Césalier ». Vraiment d'excellents souvenirs. La butte de Brion est en vue. Ici a lieu dans l'année quelques-unes des plus grandes foires à bestiaux du pays. Encore une petite heure de marche, et nous rejoignons la Gaudivelle via la réserve naturelle des Sagnes et le très joli lac d'en bas. Cette réserve est aussi vieille que moi, puisqu'elle a été créée en 1975 afin de protéger une zone tourbeuse d'importance. On peut y observer plus de 800 espèces, dont 150 espèces d'oiseaux. Dans ma lunette, c'est une toute autre espèce que je remarque, en la personne de Lionel, conservateur à la réserve naturelle nationale, et à qui je vais poser quelques questions. Alors cette réserve, on est ici à la Gaudivelle, de quoi s'agit-il exactement? Alors c'est une tourbière en fait qui fait 25 hectares, qui se trouve en périphérie du lac d'en bas, sur la commune de la Gaudivelle. Donc c'est un complexe tourbeux avec différents types de milieux naturels qui sont assez riches, avec une faune et une flore assez particulières, donc avec pas mal de plantes liées au milieu tourbeux, et puis aussi des espèces notamment de papillons, des espèces de libellules qui sont inféodées à ce type de milieu assez particulier. D'accord, alors là je crois qu'ici on est sur un sentier découverte, donc il y a pas mal d'informations pour les gens. C'est quelque chose, c'est une balade que vous proposez pour les randonneurs qui vont venir ici pour découvrir ce milieu?
Oui, alors on a un petit sentier de découverte qui permet d'avoir quelques informations sur la réserve naturelle, sur le Césalier, sur la tourbière également. Donc c'est une petite balade vraiment sur à peine 500 mètres avec quelques panneaux qui présentent toutes les richesses du site. On laisse Lionel retourner à son travail sur les rives du lac. Pour nous, il est temps de rejoindre le gîte des Sagnes, le terme de cette cinquième étape. Demain, on quittera le Césalier pour marcher en direction de la Crégue. Ce sera la sixième étape du GR30 à suivre dans le prochain reportage de Carnet de Rando. Une étape résolument hors sentier et riche en imprévus. On est complètement perdu. On est perdu.